Maranatha, Maranatha, Cristo vient ici-bas, Cristo vient ici-bas. Et j'aime encore parler de lui. Et dans Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc, Jérémie 33, verset 15, répétez même bagala. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe juste. Il pratiquera la justice dans le pays. La justice. Donc là, il a parlé de yon petit. Le mot germe. Dans tout sens, son postérité, son reste lié, son petit tout lié. Donc, c'est ça qu'a parlé là. C'est pas ancien David là qui a ressuscité. C'est au contraire son petit David qui prend place là. C'est tout thème ancien, ancien testament. Tout ancien testament, n'a pas doute sur bagage ça. Donc, n'a parlé de Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, bon Dieu, voulait pour nous qu'on bagage ça, yo, dans verset 5. Et dans verset 5, et donc l'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois, considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Pas oublier temple là, premier temple là, t'es gain gloire là-dedans, les Salomon t'es fait bâtir, parce que temple là, t'es rempli avec la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire du chicane de Dieu est partie. Au temps d'Ézéchiel, les Nebuchadnezzar envahit le peuple-là. Avant ça, la gloire partit. Pas de gloire encore. Le peuple-là même t'est crié. Maintenant, dans le fait, hein, pas de plus gloire toujours. Maintenant, dans verset 6, tu diras, Ézéchiel 44, verset 6, tu diras aux rebelles à la maison d'Israël, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Quand le monde dit assez de toutes vos abominations, yo. Il peut répéter même abomination. Qui c'est abomination? Pas oublier, peuple Israël, là, c'est nous-mêmes. Pas gagner faire Israël blanc. Israël blanc, c'est une distraction. C'est nous-mêmes qui peuple Israël. Là. C'est nous qui en question. Toute négativité prend en Afrique, au Mari, autant qu'on crabe. Regardez là pour côté n'a pas montré là. Regardez pour eux. Toute négativité qui était Mari, autant qu'on crabe, il y a le travail en Haïti, Saint-Domingue. Et puis nous, avec tout ça, l'ouverture, nous prenons âme, nous courons des blancs. Et en Amérique, jusqu'à présent, nous sommes bêtises, américains noirs. Jusqu'à présent, nous sommes bêtises nous, au Brésil. Nous sommes bêtises dans tout le monde. Non. C'est nous-mêmes qui sommes ces peuples Israël. Deutéronome 28, verset 66, Dieu, nous t'a parlé en Afrique, de l'Afrique, nous allons nous comme esclaves. Parce que l'autre peuple dans le monde qui n'a plus fonction ça que nous-mêmes seuls. Deutéronome, Sophonie 3 dit que ça, mais l'autre bois Éthiopie. Alors l'autre bois Éthiopie, j'en veux objecter là. L'Éthiopie, c'est en Afrique que lié. Maintenant, peuple ça, l'Éternel dit que ça, montrez-yo, dis pas avec rébellion, dis-yo, mais ça l'Éternel dit. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers ainsi concis de cœur, ainsi concis de chair. Donc, l'autre bagage qui est très important, en pile l'église chrétienne, nous a pensé, oh, fort, nous pas de circoncision encore, parce que Jésus qui était mort, nous pas de circoncision encore. Nous pas étudier bagage un jour. Circoncision pas éliminer, vrai. Peuple Israël là, il y a un symbole même. D'ailleurs, il y a un contrat même qui montre que c'est vrai Israël, c'est dans la circoncision. Jusqu'à présent en Afrique, dans pile tribu de petits mouns, en fait, c'est circoncis. Je parle aussi circoncis fille, non, je parle aussi circoncis monsieur, c'est garçon. OK. Donc ça, c'est une bagarre qui est très importante. Tu diras aux rebelles, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur, incirconcis de chair. Pour profaner ma maison, vous avez offert mon pain, la graisse et le sang de toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Qui veut dire, vous avez fait cérémonie païo, qui était cérémonie interdite en un temple là. Donc, le peuple est venu, peuple complètement égaré. Ça, c'est le premier temple là qu'on parlait là. Parce que Ézéchiel, c'est la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Verset 8, Ézéchiel 44, verset 8. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service de mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger ainsi concis de cœur, ainsi concis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Donc l'Éternel interdit pour étrangers par venir dans ta place. Mon cap dit que ça, qu'il doit être mal sur Israël, oui, mais. Faut prendre texte à considérer. Bon Dieu, pas servi avec étrangers dans le temple.
Israël conditionné pour faire des services pour lui. Depuis dans le désert, il choisit Aaron. Aaron vient de nous. Lévitio, Lévitio, tout le monde s'est béni et oui par Dieu dans le désert après la sortie d'Égypte pour faire service pour notre temple-là pour toujours. C'est dans le temps pour nous jouer un grand prêtre là. Et dans pile là, il vient de tourner prophète, il vient de tourner pasteur, il vient de tourner un paquet de leaders à travers les âges. C'est comme ça, bon Dieu, agis petit, bon Dieu. À mon chapitre 3, si je m'abuse, et Israël, c'est toi seul que je connais parmi toutes les familles de la terre. C'est pour cette raison que je ne pourrais pas te laisser impuni. C'est toi seul que je connais. Donc, mon cap dit comme ça, oui, et frère Monor, nous convertis, nous toutes ces mêmes depuis nous acceptons Jésus-Christ. Vous connaissez ça veut dire là? Ça, c'est religion blanche qui bat nous. Nous ne comprenons pas les choses. Bon Dieu voulait pour nous, Israël, pour nous reprendre place, nous, et puis qu'on y a là, nous inviter étrangers. Là, il dit, je rassemblerai d'autres peuples à lui au sein de j'ai rassemblé. Nous allons faire l'autre peuple qui vient joindre nous, mais ce n'est pas à nous qui pourrons joindre nous. Jérémie dit que ça, ne vous conformez pas à des nations étrangères. Pas conformez-nous à la loi des étrangers. Des étrangers plutôt. Donc, ne vous conformez pas à la loi des nations. Ok, verset 10, Ézéchiel 44, verset 10. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison, ils feront le service de la maison, ils égorgeront pour le peuple des victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, ils se tiendront devant lui pour être à son service. Donc là, bon Dieu, Gombaga l'a fait là, il dit les sanctuaires de gloire là retourner. Et grand pile famille, ouais, voilà nos péchés, bagarre péché aller de génération en génération. Parce que conseil des nèg qui péché là m'a dit conseil des monde qui demande charité dans la rue là tout en m'a rencontre pas quelques black qui demande charité dans la rue même en Haïti tout partout est black qui demande charité en pile là nous c'est pour nous retourner back dans bagage ça oui dans bagage ça c'est là bagage ça sorti oui côté bon Dieu nous t'es rentré dans sanctuaire bon Dieu t'es un certain Eli bon Dieu dit qu'on ça pas bon monde qui a tête blanche qui mourir là car Eli tellement Eli t'est puni de respecter mon Dieu. Eli avec deux petits garçons, il t'a couché avec tes mesdames devant ta plat, il a mangé viande. De respecter mon Dieu. Eli dit que ça, bon Dieu dit que ça, ou bien on est plus à petit tout que moi-même. Ou de respecter mon petit tout. Eli maudit. Il dit pas que mon cap mouille tête blanche. On pas qu'être malédiction. T'es un Géasi qui t'a le prend cadeau que Élisée t'a dit, pas besoin de cadeau, guérison pour Naaman gratuite. Et puis là, le prend, là, il va mentir sur Géasi. Géasi dit comme ça, non, ça c'est Élisée. Il dit, Géasi, ouais, l'ep qui t'est sous Naaman, l'a tombé sous, non seulement l'a tombé sous, pour toute génération, pour toujours. Donc, un paquet de bagailles qui t'est fait longtemps, jusqu'à présent, n'a payé conséquence, un paquet de malédiction. Malédiction, ça, yo fait moun, un pile moun nan nou vin pauvre, un pile nan nou pas ka rete marié, un pile nan nou pas ka gen zami, un pile nan nou pas ka comprendre un pile bagay nan Bible. C'est parce que yon série de malédiction qui t'est tombé sur nous. Mais yon nan malédiction, c'est Lévitio. Lévitio, yo quitte Yahweh, yal nan vodou, yal marié avec femme de yo qui t'est mambo. Et puis Lévitio, non seulement yon vin a fait vodou, mais yon en d'un temple là. En dans temple là il a fait vaudou mais c'est ça qu'il a l'Éternel dit comme ça que et donc Lévite ça qui était éloigné de moi dans verset 10 dans verset 11 il dit comme ça ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs ils auront la garde des portes de la maison. Nous pas remarquer grand pile monde c'est toujours petit job ville là toujours joindre il pas jamais joindre job supérieur pas jamais joindre un gros job toute famille c'est monde qui a balé c'est monde qui a petit nécessité c'est monde qui a nettoyer des petits grand monde c'est monde qui a nettoyer vite c'est monde qui a ranger caoutchouc c'est monde tout partout quand tu passes on va demander et ça qui sont fait ça là c'est concubine l'autre nèg qui marié et toute petite vagabond. Oh, bagage ça sorti loin petit bon Dieu mais c'est ça qui bon la petite étape là en pile nèg zan sept nous te faire vagabond nous te dérespecter Yahweh gon malédiction qui rentre dans famine bagage la continue il continue l'aller de jusqu'à l'aller des années des siècles
conseil de monde c'est bayakou on pense que les bayakou et conseil de monde c'est toujours job qui puis ville la gagner on voit c'est eux qui ont terre mort ils travaillent dans cimetière ils travaillent en a gon côté wana mettre le cochon camion on va continuer comme ça avec les cochon camion moun qui cap courir des gros camions yo gros camada sarayo cap prend madame sara sous deux mettre dans cette camion cap courir des camions cap tout bagage ça sont c'est des jobs que en pile moun était dans position très élevée nous dérespecter Yahweh gon malédiction qui continue son pile moun en pile respect noir là à travers les âges c'est là l'évangile là vinn gen bonne nouvelle. Mais l'évangile, là, nous reconnaître malédiction. Ça, la Bible dit, Dieu a envoyé Christ pour enlever la malédiction. Qui malédiction? Malédiction, ça, yo, que nous par connaître, en plus, nous par connaître. Malédiction, gen moun, si moun y a l'école, pas qu'à apprendre. Moun connaît gen moun, moun kote, qui pas même qu'à lire un texte, ou voir un texte pour lire dans le téléphone, il pas même qu'à lire. Il pas qu'à lire un texte, yo. Et gen moun qui, tellement égaré, yo pas qu'à faire rien du tout pour vie yo. Tout bagage son monde qui pour faire pour yo. C'est là faut nous comprendre bien qui ça la Bible dit. Bon Dieu, mais c'est ça qui est bonne nouvelle là. Bonne nouvelle là, Jésus-Christ a été envoyé pendant que nous en exil pour nous accepter et retourner back observer loi li yo, fait li yo. Et la Bible dit bon Dieu a pour recevoir nous encore une fois mais bonne nouvelle là. Mais bonne nouvelle là. Deutéronome 4, c'est comme ça que dans la fin des temps, l'Éternel, ton Dieu, ira te chercher parmi les nations. Il circoncira ton cœur dans la suite des temps. Dans la fin des temps, l'Éternel ira te chercher parmi les nations en exil. C'est là qu'il circoncira ton cœur. Deutéronome 30 parle de même bagarre là. Tout si nous retournons observer loi Moïse, l'Éternel parle circoncire nous parce que dans pile malédiction que tu es prononcé dans l'Antiquité, nous ne connaissons pas. Malédiction, c'est eux qui pèsent nous cognats, c'est eux qui pèsent nous en pile dans nous là, nous jouons bolette, nous jouons nous bingo, nous tout partout, nous c'est domaine, nous Venezuela, nous tout partout, nous courons à droite à gauche. Et puis, si nous te prêtons, nous consacrer vie nous à Yahweh, Yahweh, dit nous, mais malédiction là, nous qu'à briser avec puissance Jésus-Christ. Mais c'est ça qui est l'assemblée des serfs. Share the live, n'a parlé de le temple d'Ézéchiel et le prince. Deux personnages, deux bagailles, deux sujets très importants. Ça, son sujet qui est shadow, mais son sujet qui est connu par le monde. Temple là aussi. Bon, regardez, où est-ce arrivé? Tout est bizarre. Ça n'a pas l'air là. Le monde n'a pas l'air de lui. Tout est à parler de troisième temple là, oui, dans toute nouvelle là. Tout est à parler de troisième temple là, oui. How are you, my brother? Brother Israel, I'm doing good by the grace of God. We are warrior. We are at war. God is with us. If God is for us, who can be against us? He's fighting with us. It's not easy, but it's going on. God is with us. But anyway, c'est très important. Lisez Ézéchiel 44 pour nous continuer toujours parce que bagaille intéressant. Bagaille intéressant. Donc quand il y a là Lévite ça yo qui t'a quitté bon Dieu qu'elle dans bokor, l'Éternel dit leur retourner, yo pas retourner faire petit travail ville, yo pas kembe porte là. Yo c'est eux même qui pas tuer bête yo. C'est eux-mêmes qui peuvent respecter bête yo, mais gen Lévite tout qui pas quitter bon Dieu, nous pas wè Sadok. An filil. Verset 12. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Donc, on sait de nek qu'à faire. Jusqu'à présent, nous avons un paquet de monde qui pas respecter bon Dieu. Nous avons mis un peuple bon Dieu à faire magie. Il y en a, mon Dieu, le soir disant que l'église, et puis il y a des petites sorcelleries, il y en a magie. Il y a peut-être tant de Satan plus que tant de bon Dieu. L'Éternel dit son malédiction liée. Son malédiction à l'Ézéchiel chapitre 9 pour nous. Dans le fait, hein, pas une apostasie qui établit dans l'église. L'Éternel dit commande 6 anges. Il dit frappez les anciens, frappez les vieillards, frappez les jeunes mounes, frappez les jeunes filles qui vieillent, qui pourquoi j'en fais sec. Frappez tout parce que l'Éternel dit c'est un temple abomination en retrait. Un temple on vient avec abomination. Ça pour ton malédiction calé loin. Si on fait péché, qui te fait péché dehors, pas venir dans notre temple éternel là pour nous faire bêtises, non. Mais c'est ça qui porte, mais c'est ça qui mette nous là, oui. C'est ça qui mette nous là. Nous, c'est peuple, par contre, pour qui ça, bon Dieu, fait ça? Nous, c'est peuple, tout côté nous, et nous avons richesse en papier. Tout côté nous. Tout côté peuple noir, nous avons richesse.
Mais nous pas jamais qu'à la richesse ça, yo. Étranger à venir l'exploiter richesse, yo. Et puis nous-mêmes, nous étions pauvres. Ces malédictions continuent sur nous. Dominicani, t'es capable pour tout Haïti. Nous sommes là, nous t'es occupé Dominicani. Mais, quand il y a qui pas connu l'histoire, ça, tout ça, tout il là, c'est pour la France, avec la traité de Bâle. Avec la traité de Bâle, tout il là, c'est pour Haïti, non sens. Avec la, depuis Haïti, t'es fini pour un pays à nommer tout ça, tout il là, c'était pour nous, Mais, nous sommes peuple qui continue à malédiction. Malédiction à droite, à gauche. À droite, à gauche. Donc, nous-mêmes, peuple bon Dieu, nous avons une richesse dans tout pays. Haïti rempli richesse. Afrique rempli richesse. Nous-mêmes, en Amérique. En Amérique, au commencement de l'Amérique, nous avons été en terre. Nous avons été fait jardin. Même là, après la guerre civile, après la guerre civile pour la libération, de l'émancipation des Noirs, nous avons été menés. Nous avons été les skill workers in America. The skill workers in America were the blacks. Charpentier, menuisier, boss maçon, moun ki kon a fè route, moun te kon a tout bagay ou konnen, moun te kon a fè un paquet bagay pou avec cheval, un paquet bagay ki te pou, tout bagay sa c'était moun noir. Blanc yo parce que durant l'esclavage, blanc était tellement à l'aise, pas de gen pile blanc te gen skill, mais noir même n'était gen pile skill parce que c'est esclavité, mais c'était gen skill, t'a travaillé pour blanc, t'a bâti maison, t'a bâti ceci et puis lève vin libre konnen. Blanc pas kon fè rien. Mais qui ça a fait? Blanc cherche moyen pour neutraliser noir yo. Yo prend skill ça yo back et puis qu'on y a là noir pas rien encore mais malgré même durant et ça n'a pas les de civil rights movement même durant période ça noir était très skill même si on l'aime autant de tape discriminer contre nous pas de vouloir nous mais noir tape mené oui pas de noir t'étendre pas de drogue comme ça dans mitan peuple noir là pas de noir qui tire moun chaque jour t'en des noir tu on monde pour on soulier pour anti marijuana $50 tu on frais pareil ça pas de compte fait ça pas de compte fait ce bagage qui fait après dans les années 70 and 80s and the years of Soul Train et puis qu'on a venu dans 80s avec Cosby Shows et puis qu'on a venu pas que petit monde qui a regardé TV il y a un bagage qui était le Pac-Man côté qui a regardé bagage et sur le Combat Game Combat Game ça a fait film noir vin violent un petit monde vin violent et puis l'ennemi a mette drogue dans mitan nous et qui vient faire nous tout notre peuple noir en Amérique vin tout notre peuple qui est garé violent cap détruire l'autre non éduqué donc vraiment désastre donc nous même son peuple qui était nous juste ajouter ça pour monter nous des malédictions qui viennent poser sur nous à travers les âges on continue dans Ézéchiel 44 pour montrer nous que et la Bible dit que ça, dans verset 13, ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie des abominations qu'ils ont commises. Imaginez-nous, Yahshua a retourné, Jésus-Christ, il est retourné, il est dans le temple là. Nous-mêmes, c'est Israélites, c'est peuple nous. Et puis, nous pas qu'à approcher. Nous ne pouvons pas venir de côté, parce que conseiller de groupe mon internet dit, mon ça, je ne rassure pas, je ne viens pas de côté encore. Rassure pas, je ne viens pas de côté, parce que ça a été fait, ça a été fait. We talking about 2,700 years ago, brothers and sisters. 2,700 ans de ça. N'a pas les bagages qui étaient passés 2,700 ans. Et 2,700 ans plus tard, l'internet dit, ouais, ras papa, même péché, il était fait contre nous, nous même stay away from me. Et ça, l'internet a parlé là. Ça ne veut pas dire que ça pour eux, non? Mais bon, humiliation et d'eux, ils porteront la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Ça, c'est moun qui dérespecte bon Dieu avec magique en dans le temple bon Dieu. Depuis ce côté temple bon Dieu, il y a peuple bon Dieu réuni avec peuple bon Dieu là, et puis il a fait magique, abomination, et toute vieille bagaille, l'Éternel dit qu'on malédiction qui est posée, malédiction, allez, génération, génération. Parce que bon Dieu, pas j'aime moi, petit tout, c'est pareil de vous-même. La Bible dit que ça, petit tout, c'est vous-même. Petit tout, c'est vous-même. Troisième, quatrième génération, petit tout, c'est vous-même qui l'a, c'est vous-même, vous-même, non, toujours. Bon Dieu, pas la différence. Donc, bagaille là, pour aller loin. C'est là que bonne nouvelle là vient. Bonne nouvelle là, c'est que Dieu a envoyé Christ, Jésus-Christ, Yahshua, pour briser la malédiction. Nous capables de briser la malédiction. Nous capables de dire, malédiction que tu es sous famine, les effacer, nul, zéro, neutre, c'est un clean sheet en anglais. Et puis, quand il y a là, l'Éternel dit, revenez à moi, je vous accepterai encore une fois. Mais c'est l'évangile là. This is the good news. Un paquet de malédictions que tu as prononcées.
qui est là jusqu'à présent qui a touillé peuple là. Mais dans fin temps, nous capable enlever malédiction ça et puis nous retourner jeune Yahweh. Ézéchiel 44. Je leur donnerai la garde de la maison, ils en feront tout le service, tout ce qu'ils doivent s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Sadoc, mais verset 15 qui est très important. Les sacrificateurs, les lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang devant le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Là, gros personnage mentionné là, Yodou, c'est petit Mounsa, c'est lui-même qui a droit de rentrer dans le temple là, c'est Sadoc. Il y a même chant, même, il y a un gros chant qui fait sur Sadoc. Sadoc, c'est petit et Achitub, nous avons ça dans 2 Samuel chapitre 8, et Achimelech, fils d'Abitia, qui était sacrificateur. Donc Sadoc était aussi un serviteur qui était fidèle avec David. C'est une révolte qui était faite. On va étudier Sadoc. Dans 2 Samuel chapitre 8, 2 Samuel chapitre 15, il y a parlé de Sadoc. Donc, c'est ça qu'il a. L'Éternel dit, pendant que tout l'autre reste lévite, il y a un boko, il y a une magie, il était révolté contre Dieu, il était révolté contre Yahweh. Mais il dit, Sadoc lui-même, qui était fidèle, il dit, les millénaires m'ont venu. C'est petit Sadoc qui parle grand prêtre là. Pas oublier notre temple là. Nous parlons non seulement nous parlons de prince là, nous parlons de grand prêtre tout. Nous parlons de grand sacrificateur tout qui peut faire travail là. Donc là encore, nous parlons de monde qui est capable d'approcher de Yahweh. Approcher de Yahweh, qui ça veut dire? Pas oublier, dans la période, c'est Jésus qui est capable de gouverner la nation. Imaginez Jésus-Christ là devant, à toute gloire lui. Ou offrir offrande et sacrifice à lui-même. C'est plus belle bagage qui va le gagner. Bénédiction qui va le combler. On parle de gloire là devant Jésus-Christ. Parce que seulement papa, grand papa, Sadoc, t'es respecté Yahweh. Le moment est difficile. Tu dis plutôt mourir pour Yahweh. On est mal dans la révolte contre Yahweh. Ça seulement. Imaginez-nous tous la même chose. On a parlé de presta son petit David. Nous t'es parlé de petit Saül tout. Saül. C'était lui qui était capable de arriver dans ce stade-là. Ça a eu pour tes malédictions sous l'air, toute famille. Il détruit toute famille, pratiquement. Ça a eu, l'aile, il n'a pas choisi, il a commencé en guerre contre David, il n'a pas qu'être monde. Malédiction tombée sous ça a eu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler de ça a eu. Ouais, ça a eu, mais. Donc, c'est quoi ça, bagaille? Un pile monde à travers les âges qui te respecté Yahweh, bénédiction à aller de génération en génération. Ici, n'a pas le 2500 ans, n'a pas le 2600 ans, 2800 ans. Du temps de David, n'a pas le 2, 3000 ans. Et bon Dieu dit, il a préservé Mounsaïo de génération en génération jusqu'à ce que millénium n'en vienne qui parle très bientôt. Et Mounsaïo pour le paraître. Nous voyons petit Sadoc qui apparaît. Nous voyons 54 millions sur paquet de monde béni et tout. 54 millions sur paquet de monde béni. Nous voyons petit David là tout dans la lignée de David pour gain un personnage tout qui dans temple là devant gloire tout ça connecté avec David qui était fidèle avec Yahweh mais Saül qui pas fidèle avec Yahweh maudit malédiction allez on pas jamais entendre parler de lui encore ça pour nous apprendre là respecter grand monde respecter bon Dieu petit bon Dieu pas joie bon Dieu pas joie bon Dieu temple là c'est un bagage pour nous apprendre en pile bagage là-dedans. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Mabdou, les Mounsaïo qui parlent à la tête, c'est que la famille David, famille Sadoc, et l'autre Lévite, tout, les 54 millions qui parlent entourés, les 24 vieillards qui parlent devant Yahweh, c'est Mounsaïo qui parle chef, mon nom. C'est Mounsaïo qui parle chef, tout mon nom. Tout bagay qui peut dérouler dans le monde, c'est qui n'est pas eux même pour passer. C'est pas eux même pour passer pour jouer Jésus-Christ. Donc, les gros projets que vous faites dans le monde, tel bagay au besoin, tel bagay que vous faites dans le coin, n'importe côté dans le monde, faut passer par le monde.
Mes bénédictions captent un monde qui était fidèle à Yahweh dans le passé. En pile malédiction prononcée dans le passé, en pile bénédiction. Abraham, petit béni, béni, en pile Isaac, petit béni, Jacob, petit béni. Et nous parlons Joseph, petit béni, en pile, mais dans petit béni, en tout, il y a quelques graines qui prennent quelques malédictions, est-ce que c'est le gros? Il y a quelques graines qui prennent malédiction, mais il y a quelques lignées qui étaient. Comme donc, petit Sadoc, c'est eux-mêmes qui peuvent approcher votre table là, ils peuvent faire service là. Lorsqu'ils franchiront les portes du pavé intérieur, ils revêtiront des habits de lin, ils auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du pavé intérieur de la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur le rein. Ils ne ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le pavé extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils feront le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne raseront pas la tête. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leurs chevelures. Donc là, n'a pas longtemps négocié un paquet lock dans tête. Son paquet négocié un lock dans tête. Encore pour montrer ces mon noirté. Et nous connaissons Ézéchiel chapitre 8 côté du coup ça l'Éternel m'a pris par by the lock of my heads. Donc n'a pas ça dans toute Bible là côté négocié un lock dans tête. Ézéchiel ou bien Isaïe ou bien Ézéchiel. Bref, qui chapitre il dit il négocié un lock dans tête. Allez dans Nom chapitre 6 dans Venaziriat, on pourrait aussi bien négocié un lock dans tête. Donc, c'est ça qu'a parlé là. Et lorsque tu as dans la tête, tu vois, l'Éternel dit, nous ne pouvons pas retourner avec l'autre dans la tête, nous encore. Nous avons coupé les cheveux, mais nous pas avons pas de tête bol non plus. Donc, pas de tête bol, tête calée, qui vient dans la tête là. Nous avons quitté peu de cheveux, tant que les cheveux pas là. Mais on ne pas quitter les cheveux bien longs. Bien cheveux, bien long. Sur un pile monde qui a pris la Bible, nous pas parti ça. Un pile oublié parti ça. Quand pile qui a Rasta, dit même qui est israélite. Et puis, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Mais l'arrivé, l'organe dans fin de temps, l'Éternel dit, cheveux, pas nous pas quitter cheveux trop longs, et faut nous pas raser tête non plus. Donc nous parlons cheveux qui, in between. Ah, chers amis, bah, c'est intéressant, oui, là, moi, I'm excited. Ouais, d'après planifier faire live, là, je dis, hein. D'après demander, bon Dieu, qui sujet pour nous parler? Et sujet, ça, I love it, parce que sujet, ça, grand pile bagaille qui d'elle, dans les jours à venir, qui gagne pour avec. Ni top là, ni presse là. Et, mais quand on peut dire l'autre bagaille encore, parce que je ne pas voulu, toi parler de lui. Prince-là, déjà, faut qu'on ait, dans Ézéchiel 34, la Bible dit que ça, David, mon serviteur, sera le prince. Ici, là, parle de petit David, là. Parce que là, il dit que je susciterai à David, dans Jérémie 23, un germe. Donc, là, il mettait le clair, germe, là, signifie postérité. Dans tout sens, germe, c'est postérité, il veut dire. Après ça, il dit que ça, je multiplierai la postérité de David. Qui veut dire, ancien David n'a pas pas levé pour la marier encore. Ancien David a été mort grand monde, l'a ressuscité vraiment, mais pas marier encore. Mais c'est même jeune petite là, postérité là, qui bénit, dans fin temps, qui va le marier. Dans Jérémie 32, verset 33, et donc ça, de même, Jérémie 33, verset 22, et de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service, et la postérité de David, mon serviteur. Tout à travers la Bible, là, la parole de yon germe, yon relè David, mon serviteur. Pas oublier, m'te dit nous ça. Dans toute Bible, là, et petit, tu considères comme vous-même. On voit, t'as quoi? Petit, moi, c'est moi-même. Et moi-même, puisque moi-même, t'as dit nous déjà, bon Dieu, montez, dis-moi clairement, m'sorti dans la maison de David. M'te dit nous ça. Donc, bon Dieu, ouais, moi-même, t'as quoi, c'est David qui l'a? Bon, je n'ai pas de différence entre moi-même avec David. Si je fais le même travail, même esprit David te gagne, si je gagne le même, bon, je n'ai pas de différence là. Et petit moi, tout, c'est même bagarre là, tout. Depuis petit moi, fais le même travail. Bon, je n'ai pas de ça. C'est là que.